Salut à tous et à toutes, ici Shell Killer, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed 3, la partie numéro 4. D'accord. La partie numéro 4, et dans l'épisode précédent, on a frôlé la mort. Parce que j'ai fait le con pour pas changer. Et donc voilà. Cette fois-ci, on va éviter. Donc, analysons le périmètre. Il faut que j'atteigne le banc là-bas. Donc dans l'épisode précédent j'ai foiré la foule 5 parce que bah il y a un garde, enfin il y a un cercle que j'ai dont je suis sorti. En haut de la colline, d'accord. Je suis sorti du cercle et du coup je ne m'attendais pas à ce que ça compte. Appuyez sur rond pour le faire s'arrêter ou vous demander de vous suivre. Bon, on y va, allez, vas-y. Perception est fondamentale pour notre ordre. Les gardes en ont encore après moi. Elle informe nos mains pour combattre et pour tuer. Je sais pas pourquoi tout à l'heure n'empêche le garde, ils se sont énervés après moi. Et elle change notre regard sur le monde. Ils choisissent des gens random. C'est vraiment juste pour me foutre la haine en fait. Prudence, l'endroit est bien gardé. Il faudra être discret. On peut se planquer dans les herbes. Tiens, tu vas venir avec moi, ça a l'air moins sécurisé par là-bas. Et on va passer sur ce toit. J'espère pour toi que tu sais escalader. Zone non autorisée. Donc les zones non autorisées sont les zones rouges sur la carte. Ce qui indique que, bah, si un ennemi vous voit, il vous défonce. Comme ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Mais bon, cette fois-ci, il y aura une raison. Et voilà, tada! Fermé. Je dois trouver cette clé. Reste ici. D'accord, donc il y a trois possibilités. Maintenez rond enfoncé pour faire du pickpocket. Donc, c'est pas ce que je pensais, vu que je pensais que, bah... C'était parce que j'avais fait... quelque chose de mal que... Bon. Ça c'est fait. Bonne nuit. Donc qu'est-ce qu'il a sur lui? Ouais, là, franchement, les deux gardes, ils étaient collés, j'avais pas le droit de me faire repérer, c'était mort. Je voulais au début, mais l'autre, il a pas voulu tomber bien. Tant pis. J'ai la clé. Fallait certainement aller à un autre garde, mais j'avais pas trop envie de chercher. Donc, j'enregistre bien. Est-ce qu'il faut que j'ai mon temps visuel? Ce serait mieux. Alors, est-ce qu'il y a Benjamin Cherche là-dedans? Les choses si difficiles, Benjamin. Apparemment, oui. Contente-toi de me dédommager et je te pardonnerai cet affront. Je refuse de payer pour votre protection. Et pourtant, tu en as tant besoin. Regarde dans quel état tu es. Oh. Quelle grossièreté. Bon, qu'allons-nous faire de notre ami? Et si... lui couper les mains. Ce serait fini la chirurgie. Ou peut-être la langue. Il ne jouerait plus les commères. Ou alors je le castre. Ça lui passerait l'envie de nous baiser. Sympa. Un choix si vaste, j'ai si peur de me tromper. Fais les trois. Attendez un instant. T'as pas de bol. J'ai peut-être refusé votre offre sans réfléchir. Je suis vraiment navré, Benjamin.
Mais il est trop tard. Soyez raisonnable, Silas. Oh, je crois l'avoir été. Mais tu as préféré profiter de ma générosité. Je ne fais jamais deux fois la même erreur. Je ne me sens pas capable d'assister à de tels actes de barbarie. Viens me voir quand ce sera fait, Cutter. Tu le regretteras. Sympa son Cutter et de le couper. Non. Cela m'étonnerait fort. Ah, oh, ça doit faire mal. Oh. Oh. Alors. Boum! Ah! D'accord. Oh, comment je t'ai taclé! Aïe! Dans tes testicules! Bon! Prendre une lame dans les testicules tue. C'est toujours bon à savoir. Qui êtes-vous? Ethan Kenway, pour vous servir. Mais je n'y... Ah, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai autant de mal dans les combats alors qu'avant j'y arrive vachement bien. Je vous expliquerai tout. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. De toute façon, dans ce jeu, j'ai toujours appris qu'il fallait maintenir R1 et rond. Comme ça, on part tout. Pouh, là, j'ai foiré et tout. Genre, je sais pas, j'avais la flemme. Oh, bah, vas-y. Le gars, quoi. Oh, purée, j'en merde pas, quoi. Je réapparais face à lui, il me dégage comme ça, normal. Et c'est bonjour, pouf. D'accord. Johnson m'a fait part de vos intentions. Il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez. Il se nomme Silas Thatcher. D'accord. Dit fait dans l'esclavage. Ne vous fiez pas à ses manières raffinées. Je n'ai jamais rencontré d'homme plus vil et plus cruel. Parlez-moi un peu de ses activités. Il dispose d'une centaine d'hommes, dont plus de 50 tuniques rouges. Tout cela pour une poignée d'esclaves. Mais non. Il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. D'accord. Il va falloir nous y infiltrer. Laissez-moi y réfléchir. En attendant, je vais m'occuper de notre dernier recrue. Il s'appelle John Pitcairn. Je sais où le trouver. Ah, c'est le celui-là, j'avais pas vu son nom. Du coup, j'avais plus... tous les noms, il m'en manquait un sur cinq, je crois. J'en avais quatre, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, calme les gens. Putain, à chaque fois je réapparais face à eux et ils me butent. Calme, j'ai rien fait. D'accord. Bon, bah les gardes, quand ils sont remplis, ils vous attaquent pas forcément. D'accord, bon. Pickpocketé. D'accord. Pickpocket, je suis pas trop. Que venez-vous faire ici? Nouvelle recrue. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. Dis donc, c'est simple de s'infiltrer. Rappelez-vous, monsieur, je suis aux ordres du général Braddock, quand je n'obéis pas aux vôtres, bien entendu. D'accord. Bah, c'est... pourquoi pas. Tu fais comme tu sens, petit chacun sa vie. Bon, il est où l'autre? Ça fait du garde. Et quand comptez-vous
vous annoncer? Ou espériez-vous qu'on ne remarquerait pas votre arrivée? Si vous me laissiez m'expliquer. Mais faites donc. Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sœur. Je suis ici sur ordre du commandant Hammers. Montrez-moi une lettre portant son sceau, et vous échapperez à la corde. Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sœur, c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. Etam. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir. Les loups se déplacent en meute. Master Pitcairn nous rejoindra pour quelques semaines, et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de Charles. Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward, sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, raccompagnez ces hommes. Ok, il est pas raisonnable. Oh, il est beau le traître. Ah, d'accord. Bon, bon, on va s'en occuper. Comment c'est la question? On va bientôt le savoir. Bien, je ne m'attendais pas à cela. Et dire que je le considérais comme un frère. Que faire? Nous chasserons si nous tentons de revenir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et la fortune vient de nous montrer le chemin. Suis-moi. Père, enlevez Monsieur Pitcairn. Quoi? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Ça sonne comme un plan. Oh non, d'accord. Oh, je suis dans la foule et tout. Si je fais ça... Ah ah, je les vois plus, du coup ça compte pas. D'accord. Donc en bref, si je fais... Ouais, d'accord. Donc faut les regarder comme ceci. Donc si je fais ceci, ça compte. Est-ce que je les vois? Les habitants sont heureux. Leurs maisons sont belles. Voilà. Et leur vie sans souci. Alors les nous chiffrés. Oui. Les nouveaux arrivants ont justement les rappels. Ne laissons pas passer cette chance d'ailleurs et d'argent. En fait, il suffit de s'avancer en même temps que lui. Ça fait vachement discret de courir dans l'eau, mec. Au lieu de comment il me dégage, quoi. C'est sympa. Bon. Maintenant. Allez, vas-y ma grosse. Donc il va les conduire dans une impasse et on va les défoncer. Mode badass. Vous n'êtes que des voleurs et des canailles. On ne veut pas de votre fausse guerre. Oh, comme une lettre. Oulou. Bon. Première partie du plan réussi. Deuxième partie du plan. Bon bah ça va, c'était pas si bon. Ouais, il s'est fait choper. Lâche-nous. Et John Pitcairn aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Ça, c'est leur... Oh, bordel. Bon, les gars.
Oh. Bon. Je t'épargne un souvenir du temps où nous étions frères, avant que tu ne sombres si bas. Mais si nos chemins se recroisent, je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître, vas-y. Rejoins donc ces maudits idiots. Et quand tu agoniseras... J'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi? Je vous expliquerai tout en chemin. Yo, personne l'écoute. S'en branle. Dis ce que tu veux. Ah là là. Nouvel email. Ouais, c'était cool. Je suppose que je dois aller là-dedans. Oui, oui, je sais, j'ai foiré. Pourquoi pas changer? De toute façon, je compte pas faire un 100% en enregistrement. Je compte certainement le continuer hors enregistrement. Parce que en enregistrement, en général, je préfère aller un peu plus vite pour profiter au maximum du temps que j'ai, déjà. Je compte pas non plus aller à fond, hein, mais profiter au mieux du temps que j'ai, c'est-à-dire ce week-end, pour avoir un maximum de vidéos pour vous, justement. Donc, bah, j'espère. Je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a fait. Cheval de Troie ? C'est un nouveau ? Le héros grec, sombre idiot. Écoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas. Haha, cheval de Troie. Une fois à l'intérieur, nous libérerons les Indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Donc on doit choper des gardes, leur péter la gueule et prendre leur tenue. Ça me paraît pas mal. Comme ça, tel Ulysse, on sera déguisé... Enfin, normalement Ulysse ne se déguise pas en ennemi, mais bon, c'est pas grave. On va infiltrer l'ennemi d'une façon à ce qu'il ne s'attende pas puis l'attaquer de l'intérieur. La vache. Pas l'air motivé. Ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. Vos ordres, sœur. Agissons avec précision. Et nous les prendrons tous par surprise. D'accord. Bloquer la route. D'accord, il y a eu un accident. Voilà. Hop, c'est fait. Ça, c'est fait. Arrêtez! C'est bon, il veut bien. Ou pas. Mais pourquoi je peux pas parer? Bon, bah j'ai des problèmes pour parer. Je crois que c'est qu'à chaque fois qu'il ramasse une arme, il change sa méthode d'attaque. Charles, du coup, bah... Tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Ça risque de pas être super tout ça si un paquet d'armes. Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Bon. Je sens que dans cet Assassin's Creed là, ça va être le premier que je vais crever. Les frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer de problème à la porte du fort.
sortira bien. Je te le promets. Bon, on continue un peu. Comment Silas est organisé ? De combien d'hommes il dispose ? En quoi consistent ses défenses ? Tu dois être très importante à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Ethan, des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer ? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. Tu te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Pas grand chose à faire. C'est un petit voyage tranquille. Voilà. Ouf. Les cadavres là-bas. Discret. Aïe aïe aïe. Tous à l'attaque. C'est gros de cible, mec. T'as pété un civil. Ah non, c'est un animal. Oups. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est un chien? Pourquoi t'as buté un chien? Oulou. Bien entendu. Donnez mon ordre. Et je les mets en pièces. Tous à l'attaque! Allez! Sinon, ça va? Tranquille. C'est pas mal par ici. Ah oh, bah tiens, ils sont tous morts. Bon, on peut y aller! L'autre, il marche à travers ma roue. En fait, dès qu'il me demande l'ordre d'appuyer sur R2, bah, L2, pardon, j'appuie sur L2, c'est magnifique. C'est-à-dire que là, ils vont pas tarder à me le demander, comme il y a un garde là-bas. Ah non, c'est le fort, donc j'ai rien dit, on va pas péter les gars du fort tout de suite. D'accord. Halt ! Bonsoir, messieurs. Que venez-vous faire ? Livraison pour Silas. Allez-y. Bon, jusque-là, tout se passe plus ou moins bien. Tu vois, je te libère comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... Laisse-la. Mais elle va nous trahir. Non, je ne crois pas. Quel est le plan? Libérer les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas? Le but? La mort. Pas mal, ouais. Mais bon, pense comme moi. Trouver et assassiner le général. Réussir trois quoi? Trois assassinats furtifs depuis un angle. D'accord. Salut. Oups.
Hop, rien par là. J'ai défoncé leurs pattes d'un coup d'épaule. Eux, ils font oh, rien par ici. Énorme. Je défonce leurs pattes d'un coup d'épaule et les gars ils viennent pour oh il y a rien. Ah, c'était énorme. Bon, bref, fallait faire un assassinat par prisonnier. Du coup, j'ai foiré le premier. Mais il était tellement beau. Quand j'y prends un coup d'épaule, il tombe. Et je le rebute. Enfin, t'as tous les potes qui se ramènent normal. Non, non, non. J'ai rien fait. T'as pas le droit de sauter sur des rochers dans une base. Non, non, non. Ah, c'était énorme. Salut. Grimpe comment sur ton bateau? Comment j'ai... D'accord. Bon allez, faut que je me calme quand même parce que ça va pas le faire sinon. Oh putain! Oh la poisse quoi, faut tout refaire. Oh là ils ont abusé quand même. Alors j'y fous pas le coup d'épaule cette fois-ci. Je vais tenter de le buter depuis l'air. Ah merde, c'est celui-là là-bas. Et voilà, de 1. Ah, c'était magnifique. Bon, maintenant l'autre, je sais qu'il faut que j'aille dans l'herbe. Et le dernier, je sais pas trop, peut-être sur un report. Je sais qu'il va arriver. Ah, le bleu. Discret. Voilà. Et de deux. Et on va tenter le troisième. Sympa. Et les derniers. D'accord. Et si je fais un truc de ce genre là?
Ah, tu m'as pas vu. C'est énorme. La bande de bleu. Non. Les jambes trempées. La bande de bleu. Bon. Oh, cool. Je sais pas si je pourrais être une ici. Je crois qu'il marche un peu trop loin. Au pire, je grimperai sur le bord. Tant pis. Ah, il marche trop loin, cet enfoiré. Rapproche-toi. Putain, je veux vraiment le tuer, lui. Parce que c'est celui qui m'a repéré tout à l'heure. Oh yes. Non. Bon, tant pis. Il y a un gars qui patrouille. Non, bordel! Je vois pas comment faire celui-là discrètement. Donc bah je vais faire une petite coupure. Et je vais aller au dernier gars. Donc bah je reviens tout de suite pour la partie numéro 5. Parce que là je fais des conneries, j'arrive pas à me concentrer. Donc je vous dis ciao à tous, à la prochaine. Et portez-vous bien. Allez, bye bye!